10 ans passés et je suis même plus qu'heureux aujourd'hui de retourner à Lens parce que c'est le club qui m'a formé et c'est le club qui m'a donné beaucoup quand j'étais jeune. Et c'est clair que de pouvoir redonner ce que le club m'a donné par le passé, c'est juste magnifique. J'ai fait 10 ans en Suisse, 10 ans où j'ai connu deux grands clubs, Xamax et Saint-Gall. Xamax m'a aussi énormément donné. Je remercie aujourd'hui ces deux clubs en Suisse. Non, mais c'est clair que de venir à Lens, j'ai même pas réfléchi pour le retour. Quand M. Camboré m'a appelé, j'ai dit, il n'y a pas de souci, hein, si on trouve un arrangement, ben, je reviens de suite, je prends la voiture et j'arrive. Quand Lens vient avec une offre, quand on pense au public, au chant, etc., on réfléchit pas beaucoup. Ouais. Lens, c'est une famille. Je reviens, je vois dans les bureaux les entraîneurs, je connais presque la totalité des personnes et c'est vrai que ça fait chaud au cœur quand je vois encore des gens dans les bureaux aujourd'hui qui, après 10 ans, qui me reconnaissent, c'est juste super. Je donne tout sur le terrain, à l'entraînement peut-être un peu moins, mais en match c'est clair que je vais donner chaque minute ce que je peux donner. Après c'est clair qu'on ne peut pas toujours être bon. Mais l'important, c'est de donner le maximum. Après, je suis bon dans les duels, j'ai un bon jeu de tête et je dois m'améliorer dans les relances. Mais sinon, au niveau de la compatibilité, bah, je serai là chaque seconde sur le terrain. Parfois, je prends un peu trop de jaunes et trop d'avertissements et peut-être trop de rouges, mais c'est le foot, c'est le jeu et je ne changerai pas mon jeu maintenant. Je pense que je suis quelqu'un de généreux, de sensible et j'ai le cœur sur la main. Après, c'est clair que parfois je peux aussi avoir un caractère de cochon. Mais quand j'aime, je peux tout donner. Après, c'est clair que quand j'aime pas, ben, parfois je dis pas bonjour ou quoi. Mais quand les gens me connaissent, ils savent comment je suis. Je vais au début regarder un peu. Je vais essayer d'un peu de m'acclimater dans les 2-3 premières semaines. Et ensuite, j'ai appris, je regarde un peu, il y a beaucoup de jeunes quand même dans le vestiaire, donc je vais essayer d'aider et de donner ce que je peux donner, d'apporter ce que je peux apporter et avoir les meilleurs résultats possibles avec ce groupe. J'ai hâte d'entendre le chant. Ça donne des frissons, j'ai regardé un peu sur Internet avant. Et les corons, et ça, je me rappelle il y a 10 ans en arrière, c'était juste quelque chose d'extraordinaire. On veut donner sa vie sur le terrain. Après maintenant, moi je promets aussi que je vais donner tout ce que j'ai dans la durée de mon contrat et j'espère que ça plaira aux supporters. Après, c'est clair que je ne serai pas toujours bon, mais je donnerai mon maximum.